Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une petite nouveauté très appréciable sous iOS 15 et on va parler du dictaphone. Alors, c'est parti pour cette vidéo. Alors, si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et à venir nous rejoindre en section membres. Alors, tout de suite, on va se diriger dans le dossier qui normalement se trouve sur votre deuxième page. On l'ouvre. Ouverture du dossier utilitaire. Dictaphone. Dans ce dossier, il y a Dictaphone, mais si vous désirez, vous pouvez passer directement en demandant à Siri ouvrir Dictaphone. On l'ouvre. Dictaphone. Bienvenue dans Dictaphone. En tête. Donc ici, il y a quelques petites nouveautés, mais qui font la différence sous iOS 15 avec le Dictaphone. Écoutons un peu ensemble voir ce qui se passe. Bienvenue dans Dictaphone. En tête. Vos enregistrements, partout. Créez des enregistrements sur votre iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac. iCloud se charge de les synchroniser sur tous vos appareils. Vitesse de lecture, accélérez et ralentissez la lecture de vos enregistrements, ou activez ignorer le silence pour ignorer automatiquement les blancs dans vos enregistrements audio. Partage amélioré, partagez plusieurs enregistrements dictaphone à la fois. Continuez, bouton. Voilà, comme vous avez pu entendre, les nouveautés, c'est donc l'effacement des blancs. Lorsque vous avez donc fait un enregistrement et qu'il y a beaucoup de blancs, eh bien, vous allez pouvoir effacer ces blancs instantanément. Vous allez pouvoir jouer sur la vitesse du fichier audio enregistré. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout ces petites nouveautés qui sont vraiment les bienvenues sous iOS 15 et avec le dictaphone. Continuez. On continue. Précédent. Bouton de retour. Touche enregistré. Bouton. Alors, on va lancer un enregistrement et vous allez voir ce qui se passe. Bonjour, je fais donc un petit enregistrement. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un gros blanc. Merci de vous abonner, car j'ai mis aussi un gros blanc derrière. On va arrêter l'enregistrement. Voilà, donc on a notre enregistrement. On va l'écouter. Enregistrer, bouton lire, bouton. Bonjour, je fais donc un petit enregistrement. Comme vous pouvez entendre, il y a là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un gros blanc. Merci de vous abonner, car j'ai mis aussi un gros blanc derrière. On va arrêter l'enregistrement. Alors, pour avoir la suppression des blancs, lorsque vous êtes sur le bouton lecture, vous partez tout de suite deux fois gauche. Réglage de lecture, bouton. Vous avez donc le bouton réglage de lecture. On ouvre. Ici, s'ouvre une petite fenêtre. Option. Réinitialiser les réglages de lecture. Option. En tête. Fermer. Bouton. Vitesse de lecture. En tête. On peut donc jouer sur la vitesse de lecture. Curseur vitesse de lecture. X1. Ajustable. Ignorer le silence. Ignorer le silence. C'est ici que ça devient intéressant. C'est cette toute nouvelle fonction qu'Apple a ajoutée dans Dictaphone. Bouton. Désactiver. Activer. On va l'activer. Améliorer l'enregistrement. Et avant, on avait une petite baguette qui permettait d'améliorer l'enregistrement. C'est ce qui permettait en fait de diminuer les bruits environnementaux que vous aviez autour de vous. Maintenant, cette baguette magique est rendue dans un sous-menu tel que celui-ci. On va l'activer. Bouton désactiver. Activer. Mode améliorer l'audio activé. Voilà, donc c'est terminé. Fermé. Bouton. On part sur le bouton complètement en haut à droite sur fermer. Et on va relancer notre lecture. On va donc voir maintenant si les blancs ont été supprimés et si l'amélioration de l'audio a été mise en place. Lire, bouton. On va sur lire. Action disque. Bonjour, je fais donc un petit enregistrement. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un gros blanc. Merci de vous abonner, car j'ai mis aussi un gros blanc derrière. On va arrêter l'enregistrement. Voilà, c'est donc magique. On a vraiment un meilleur fichier audio avec les blancs supprimés. Franchement, c'est le top. Moi, j'en suis super content avec cette nouvelle fonction iOS 15 et ces nouvelles fonctions dictaphone. Vous allez pouvoir faire de magnifiques enregistrements, ne serait-ce que pour tous vos fichiers, par exemple, que vous allez mettre en place pour des réunions ou pour toute autre fonction de dictaphone. Bonjour, je fais donc un petit enregistrement. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un gros blanc. Il n'y a plus de blanc. Merci de vous abonner, car j'ai mis aussi un gros blanc derrière. On va arrêter l'enregistrement. Écoutez ce qui se passe lorsqu'on met la vitesse à 2. Bonjour, je fais donc un petit enregistrement. Là, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai fait un gros blanc. Merci de vous abonner, car j'ai mis aussi un gros blanc derrière. On va arrêter l'enregistrement.
Voilà, donc on peut accélérer le fichier audio, ça c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette petite vidéo vous a plu sur les nouveautés du dictaphone sous iOS 15. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr accessible sur Vision High Tech. Salut à tous.